Les amis, alors aujourd'hui on espère que vous avez la forme parce que nous ça va super bien. Ça va même très très bien les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de quoi? Back to school, traduction en français. Retour à l'école. Bravo, trop bien. Bon ben c'est bon, vous avez pas besoin de retourner à l'école, vous êtes très bon en anglais. Moyen. Non, on va quand même retourner à l'école les amis. Et d'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo parce qu'on avait quoi? Beaucoup de choses à faire, on a monté un nouveau restaurant. On n'a même pas pu partir en vacances pour vous dire les amis, tellement on a eu de travail. Donc voilà, donc là ça y est, on reprend les vidéos. Je vous ferai une vidéo explicative un peu plus tard pour vous expliquer un peu les changements sur la chaîne. Mais là aujourd'hui on en est à la vidéo Back to School. Donc on va faire l'achat des fournitures scolaires pour Corentin et Océane parce que vous rentrez en quelle classe? Tu rentres en quelle classe? En quatrième. Et toi? Ça y est, Océane elle est au collège cette année. Donc c'est parti, on a la liste. Pour Océane, il y a 2 pages. Et Corentin, c'est exactement pareil, sauf que lui, il a une matière de plus que Océane. Donc c'est parti. Techno? Non. Non, le russe. Le russe. Ah oui, russe. Allez, c'est parti, let's go. Abonne-toi. Bon bah ça y est, on se retrouve avec la liste de Corentin. Alors Corentin a pas mal de choses dans sa liste. Comme on peut voir là, il faut voir la page numéro 2 de tout ce qu'il y a. Alors bien sûr on n'aura pas toutes les langues qui sont inscrites ici parce que Corentin fait seulement quoi comme langue? L'anglais, le chinois et le russe. Voilà, ça fait déjà pas mal quand même hein. Bon. Parce que tu rentres en quelle classe cette année? En quatrième. Quatrième quoi? Quatrième bilingue. Bilingue ouais, en fait ça veut dire qu'il a 2 LV2 qui est le chinois et le russe. Ah non, il a 2 LV2. Non, 2 LV1, c'est ça? Anglais et... Non, je crois que c'est le chinois et le russe, ils sont en LV2 et l'anglais en LV1. Mais non, je crois que c'est LV1, anglais et... Ouais, enfin, c'est compliqué. Anglais en LV1 et chinois en LV1 que tu fais depuis la 6e. Et après, LV2 depuis l'année dernière qui est le russe. Voilà. Peut-être. Et Océane qui est déjà au bout de sa vie parce que la liste, elle est très longue. Tu rentres à quelle classe, toi? 6e espagnol, anglais. 6e bilingue espagnol. Donc toi, tu as une LV1, enfin 2 LV1 du coup, qui est le anglais, comme tout le monde. Et le 2 espagnol. Espagnol. Tu crois que tu vas y arriver cette année? Étant donné que j'ai un peu fait d'espagnol en primaire, oui. Ok, bon, comme tu as fait un peu. Et puis bon, ça va, on a une employée, elle est quoi? Elle sait parler espagnol. Ouais, elle est vénézuélienne, donc du coup elle parle espagnol couramment, donc elle pourra t'aider. Et puis moi je parle un petit peu espagnol aussi, un poco. Allez, c'est parti, on se lève? Ouais. Ouais, hein. Nous on a déjà le caddie qui est ici, qui nous attend avec Corentin. C'est Corentin bon qui est chargé de pousser le caddie, c'est ça? Oui. Allez, on fait comment? Aide-nous. Comment on fait? Voilà. On fait un coup toi, un coup toi, on fait tout le monde en même temps? Alors, on fait tout le monde en même temps. Sauf ouais. Que lui, il faut savoir que lui, regarde, par exemple, il y a une équerre. À côté des équerres, admettons, il y a les tubes de colle. Du coup, il prend un tube de colle. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis bien à la liste. D'accord, ok. Donc, Corentin, il fait un peu côté perso, c'est ça? Mm-hmm. Tu fais un peu tout seul ta liste? Oui. Ok, et Océane, toi, je te suis parce que tu vas faire truc par truc, c'est ça? C'est ça. Ok, allez, c'est parti. Donc, Corentin part moins dans tous les sens. Océane va partir dans tous les sens, en fait, à ce que je vois. Mais non, justement, c'est l'inverse. Bah, si, parce que si un coup. T'as l'équerre qui est ici, puis à côté en fait t'as les crayons qui sont là-bas, mais à côté de l'équerre il y avait le cahier. En fait on va faire que ça. Bah, c'est pas grave, allez, c'est toi qui choisis. Et cette année vous gardez des fournitures. Oui. Tu gardes quoi toi? Bah moi je garde. J'avais un cahier d'histoire qui traînait. Ouais. Et qui était tout neuf. Oui. Oui, puisqu'elle en a demandé 2. Ouais. Après on a déjà pas mal de feuilles. Ouais. Après aussi ma trousse elle est presque pleine limite. Ouais. Donc ta trousse tu la gardes? Pas. Alors ma trousse, je sais pas, je verrai. Ok. Et ton sac d'école? Oui, mon sac d'école par contre, oui. Ok, calculatrice. Oui. Je te rappelle qu'on en a acheté une en cours d'année. Parce que l'autre est cassée. Calculatrice, c'est bon. Il y a quelques trucs qu'on garde. Océane, elle va changer de sac cette année parce que l'autre, elle préfère un sac un peu plus petit, un peu plus discret. Neutre. Ok. Et toi, tu as des trucs, bah, il te manque plein de trucs parce que forcément au collège, il y a plus de choses que. Ouais, mais ce que je garde, c'est sûr, c'est les feutres. Ok, les feutres. Et oui, on garde les feutres parce qu'on peut changer qu'une ou deux couleurs. Là, il manque juste le rouge. Et le noir. Et le noir, on va changer que ces deux couleurs. Donc, allez, let's go, c'est parti. On part sur quoi? Les cahiers, les classeurs. On part sur le début de la liste, donc une équerre. L'équerre, d'accord. Et il y a quoi d'autre? C'est les petites fournitures en fait. Oui, voilà. Le matériel.
Le matériel. Ok, allez, c'est parti. Donc, let's go to the matériel. Et Corentin, il fait un peu son petit truc de... Bon, allez, ciao. Hein. Corentin, toi, tu fais un petit peu ton petit truc de ton côté. Et je crois que j'ai vu là-bas, en fait, ici, les petits crayons. Je me suis trompée, c'est pas les stylos qui sont là, ce sont les colles. Alors ici, aujourd'hui, nous faisons nos courses chez où ? Biobureau. Biobureau, on a changé d'enseigne cette année. Mm-hmm. Ils ont été très gentils de nous accueillir pour faire la vidéo. Donc, on les remercie vraiment. On va acheter toutes nos fournitures aussi ici parce que nous, on n'aime pas trop les grandes surfaces parce qu'il y a un peu trop de monde. Et puis, Corentin et Océane, ils sont au collège, donc ils veulent des choses un peu plus simples cette année. Moins de dessins, Corentin déjà les années d'avant, mais... Voilà, Océane, elle sait que tu veux quoi comme couleur dans les cahiers. Par contre, tu sais que tu veux des pastels. Je sais qu'ils ont ça ici. Et sinon, ils ont tout ici. Donc, c'est pas la peine de faire 10 000 magasins. Hein. Mm-hmm. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, comme on est en phase d'école, est-ce qu'il nous faut des colles, Corentin ? Merde. Je crois, ouais. Alors, on prend laquelle ? Moi, je prends pas. C'est vas-y, prends ta colle. Ah oui. Ça ? Allez, un petit bah, le classique. Hein. Mm-hmm. Le classique. Allez, c'est parti. In the. Cadi. Pour la colle, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Là, je vois qu'il y a les stylos. Est-ce qu'on va au stylo, Corentin ou Océane? Océane, toi, non, bah, toi t'as l'équerre déjà. Oui, il est là depuis tout à l'heure. Dans le caddie. Hein. Pas une fois. T'as pris quoi comme équerre? Un kit avec un rapporteur et tout. Petit parce que maintenant, kit. J'ai besoin d'un rapporteur. Donc... Ok, allez, c'est parti. Alors, nous. Moi, j'ai parti avec Corentin pour aller voir les stylos. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je vais prendre un stylo 4 couleurs. Stylo 4 couleurs? Mmh. Allez, simple, efficace. Pas de friction? Non, pas de friction. Pas de friction cette année, pourquoi? Non. Parce que les profs ils disent qu'ils en ont marre des stylos effaçables parce qu'ils disent que ben, ça peut s'effacer à cause de la chaleur. Ah oui, c'est vrai, en plus il fait très chaud chez nous, donc ouais. Et puis de toute manière, quand on va passer les examens, c'est interdit les frictions. Donc autant t'habituer à bien écrire sans gommer. Oui, mon compas. Petit compas, allez, let's go. Et tu l'as pas celui de l'année dernière? Hein? Cassé. Ok, super, merci Océane. Toi tu l'as ton compas? Mon compas, oui. Oh super, toi t'es top. T'es top, merci Corentin, tu peux faire des économies. Pas alors qu'il est en métal. Je sais pas, tu demanderas à ta soeur, elle te donnera des cours là-dessus, je crois. Bon, allez, petits 4 couleurs, ils sont où? J'en ai vu plein à la caisse aussi. Hein. Ils sont là, regarde. Là, il y a des rouges, il y a des bleus, il y en a avec des critériums. Là, c'est sympa. Comme ça. Ah non, ça c'est pour sur les iPads. Ça aurait été bien hein, quand t'étais en iPad. Ouais, ceux-là, ils font pour les écrans, regarde. Tu vois? C'est pour. Regardez. 4 couleurs avec le petit truc pour la tablette au bout. Là, je pense. Ouais. Là, désolé, j'ai touché le micro. Bon, alors, tu veux quoi comme 4 couleurs? Bon, je vais prendre un classique. Hein. Un classique, comme ça? Mm-hmm. Il y a bleu aussi en bas, si tu veux, en grip. Non, pas en grip. Allez, là, il y a quoi? Il y a que rouge. Il y en a d'autres aussi, j'ai vu en caisse. Il y a plein de couleurs, hein, si tu veux. Oh, bah, on verra après. On verra en caisse? Allez, tu prends celui-là et puis si ça te plaît pas, on change en caisse. Ok. Et toi? J'ai pris une perforatrice parce qu'il s'est demandé. Ah ouais, c'est demandé. Allez, let's go to perforatrice. J'ai déjà tout ça, moi. Cool. Toi, il faut pas une perforatrice, toi? Moi, oui. Allez, c'est parti. Elles sont là. Je crois qu'elles sont là. Hein. Je les ai vues. Non, elles sont pas. Elles sont, pas... sont là. Ça, là, sont pas là, là, sont... là. Elles sont là. Je les ai vues tout à l'heure en passant. Là. Voilà, comme ça, c'est nickel. Ça rentre dans la trousse. Mm-hmm. Parfait. Allez, tu mets dans le caddie? Ouais. Alors toi, t'es déjà au cahier? Ouais, cahier de brouillon. Cahier de brouillon, ok. Tirage, j'adore. Bon, de toute manière, si tu... je sais qu'Océane change souvent d'avis, donc autant on changera. Et regardez les amis, on a remarqué quelque chose, enfin c'est quelqu'un qui nous l'a dit. Voilà, par exemple là, vous voyez ici, ce qu'Océane a pris, les étiquettes violettes, ce sont les promotions pour la rentrée. Voilà, donc étiquette blanche, c'est pas la promo, et violet, ce sont pour la rentrée des classes, c'est des promotions, donc c'est cool. C'est cool, comme ça on peut bien repérer. Regarde ton compas aussi, du coup, que tu as pris là en promotion. Là, regarde, il y a les feutres. Non, tu veux pas voir les crèmes couleurs? Mais non, les feutres, on les a déjà. Non, mais les crèmes couleurs. Ok, c'est pas encore dans la liste. Ok, ok, on suit. Et toi, t'as pris quoi? Bah, moi là, je vais aller. Corentin et sa motivation. Eh, regardez son t-shirt. Mais tous les ans, j'aime pas faire ça. Il aime pas les fournitures scolaires. C'est horrible. Fournitures scolaires, je veux dire école, honnêtement. Mais il faut passer par là. Allez, let's go. Je crois que t'as pas mal de cahiers à prendre. Hein. Oui. Ouais. Ah bah beaucoup. Ils sont là. Bon, on va commencer. Et il y en a. Bah là, il y a des feuilles. Des feuilles, je crois qu'on en a assez. Oui. On va peut-être prendre un paquet comme ça là. Là. Ouais. En double.
Des copies doubles, ouais, on prend. Hop. Et puis on va prendre, ça il en faut toujours vu qu'on est à côté. Et des simples. Allez, voilà, simple. Allez, hop là, tu peux les mettre tout ça dans le caddie. Déjà vous êtes parés. Et peut-être des petits carreaux, mais ils sont où? Je crois qu'ils sont rangés ailleurs, les petits carreaux. Elle va déjà mettre ça dans le caddie. Pour les mathématiques, c'est marqué. Oui, mais j'en ai pas utilisé l'année dernière, on a encore le stock. Ah ben on n'en prend pas, on a su l'année dernière, on prend pas. J'ai déjà pris les gommes, mais sauf que je les ai déjà mis dans le caddie. De toute façon, il y aura une vidéo où je vais tout montrer. Donc ouais, comme ça, on montrera tout. Là, on va pas tout montrer en détail parce que on montrera tout pour Océane en vidéo. Corentin, non, parce qu'il grandit, il a pas trop envie. Déjà, ça le saoule de faire une fourniture scolaire. Alors, du coup, il y aura que Océane qui montrera sa vidéo où elle vous montre en détail ses fournitures. Donc là, tu as pris du. Des blanco parce que moi il m'en faut vraiment obligatoire. Ouais, obligatoire. Et toi tu prends quoi comme stylo cette année? Friction, quelle couleur? Des frictions et des pas frictions. Ok, d'accord, les deux toi. Ok. Allez, va mettre ça dans le caddie. Dans le caddie. Il est là-bas. Hein. Il est ici. Hein. Alors bien, il est là-bas. Hein. Bon alors Corentin, t'es à la recherche de quoi? Mais quel français. Quel français, quelle couleur? Vert. Vert, regarde. Ah non, vert. C'est rouge. Vert. Ah non, c'est rouge. Vert. Il te faut quoi, du 24-32? Oui. Ouais, 24-32, voilà, parfait, ok, vert. Toi Océane, il te faut quoi comme cahier? J'ai pas encore regardé. Ok. Bon, toi tu veux quoi comme autre couleur? Il n'y a pas que le français. Ouais, il n'y a pas que le français. Les maths? Prochain, c'est les maths, deux cahiers. Quelle couleur maths? Rouge. Rouge, bah, regarde. Ah, il faut des stylos. Là. Là, non, c'est pas rouge, là. Parfait. 32, là, voilà. Ok, il te faut pas du chinois, non, pas besoin, ça on doit commander sur internet parce que c'est un cahier très spécial. C'est un cahier avec des carreaux de 1 cm sans interligne. Histoire géo histoire géographie, c'est jaune. J'en avais déjà un de l'année dernière, mais il m'en faut un autre jaune. Jaune, mais elle veut, elle, pas de polypro. Non, elle veut obligatoirement qu'on mette une protection dessus pour pouvoir glisser les documents à l'intérieur. Ok, donc jaune, allez, après, c'est parti. Regarde. Regarde ici, tu peux glisser les documents aussi. Hein. Ouais, mais elle veut pas, ouais, la prof, bon. Ça, elle veut pas ça. Elle fait partie de la vieille école. Hein. Bon, Océane veut qu'on vienne avec elle pour chercher ses stylos. Donc on y va, je laisse Corentin ses cahiers. Au revoir Corentin. Et là, on va au stylo. Alors, j'ai déjà repéré ceux-là que j'avais eu une année et après je les avais remplacés, mais maintenant je préfère okay, eux. Ok, donc pilote, friction, ok, du ensuite. Du coup, avec, je prends un paquet de recharge. Ouais, toujours, ouais. Voilà. Et du 4 couleurs, tu m'as dit. Du 4 couleurs, du 4 couleurs. Là. Là y a ah, la pluie. Il y a un critérium avec. Il n'y a juste pas le vert. Il y a juste c'est un critérium. Ça, tu les as déjà vus, cela, ça veut dire. Ouais. Tu les connaissais. Je les connaissais. Alors, à la place du vert, ils ont mis un crayon à papier, enfin un critérium, c'est cool ça. J'aimerais bien avoir un stylo 4 couleurs avec un modèle genre dessus, genre un dessin ou quelque chose comme ça. Par contre, du coup, tu prends pas de critérium en plus ou de crayon à papier? Non. Ok, comme ça, t'as moins de choses dans ta trousse, c'est cool. Ouais, c'est pratique. Allez, c'est parti. Donc, gomme, tu as pris, tu as dit Stabilo. Attends deux secondes. D'abord, j'ai envie de voir s'il n'y a pas des 4 couleurs colorées, genre. Tu sais, à 4 couleurs avec de. Personnalisé, genre. Attends. Personnalisé? Tu sais, par exemple avec des feuilles. Ah, ils sont en caisse. Ah, on les regardera après, quand on ira à la caisse, ok? Okay. Parce que là, il y a du monde à la caisse, en train de payer, donc voilà. Du coup... là, regarde ce qu'il y a. Parce que tu me demandes tout le temps. Ah ouais, des petits... ils sont promo. Oui. Étiquette violette. Allez, fais voir. Oh, ils sont trop beaux. Trop beaux. Bon allez, tu vas mettre tout dans le caddie? Oui, avant d'abord je vais prendre des stabilos, ça m'a fait penser. Ouais, stabilos t'en as beaucoup hein. C'est pas grave, j'en reprends. Attendez, pour les stabilos, je les ai vus. Je les ai vus, on vous laisse la surprise. Ok. Ouais, allez. Et maintenant, on prend les stabilos et on se retrouve pour la suite. Des ciseaux. Allez, c'est parti. Océane a encore plus de ciseaux comme d'hab. Corentin, est-ce que t'as besoin de ciseaux? Non, toi t'as gardé tes ciseaux. Ouais, cool. Donc les ciseaux, on a quoi? Là ils sont. Non, ils sont pas là. 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 Super. Ceux-là? Ouais, au moins ils sont neutres. Wow. Ah, ils sont beaux ceux-là. Garantie à vie, s'il te plaît. Hein. Trop bien. Ils doivent super bien couper. Allez, go. Ils sont en titane. Allez, go. Et peut-être aussi les crayons de couleur. Alors Corentin, il en faut pas, ni de feutre, il a tout. Alors moi il me faut ceux-là. Ceux-là.
parce que j'aime trop les pastels. Et après, Quentin, il te faut pas de crayon de couleur, toi? Non. Après, non, pas de feutre. Hein. En fait, je les ai changés cette année parce que mes crayons de couleur n'étaient pas du tout pigmentés et en plus, les mines étaient cassées à l'intérieur. Ouais, donc on prend du pastel. Entre lui, ouais. Ce qui paraît que la couleur est pigmentée, ou eux. Ah, mais c'est les mêmes, non? Non, c'est pas les mêmes, regarde. Si, ici. Mais eux, comme ils ont ici noir, je sais pas, je trouve que c'est mieux. Genre, j'ai l'impression que c'est une meilleure qualité. Ok. Je sais pas. Je pense que je vais prendre. C'est les mêmes couleurs en fait. C'est, oui, mais c'est les mêmes couleurs. Ultra vibrant, couleur ultra intense. Bon, c'est cool ça. Allez. Ouais. Donc, pastel et très coloré. Ok. Ouais. Et pas de feutre, hein? Ah, non. Pas de peinture, Quentin, rien. Nous, en fait, on fournit un chèque à l'école. Non, pas la peinture. Et ils vous fournissent les fournitures pour les arts plastiques, c'est ça? Dans moi, j'aimerais. Cas, j'avais acheté de la peinture l'année dernière et j'en ai encore. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien avoir un Posca. Un Posca? Un Posca. T'en as pas besoin au collège? S'il te plaît. Mais t'en as plein! Mais oui, j'en ai. T'en as acheté, je sais pas combien! Oui, mais s'il te plaît. Tu veux quelle couleur? Je sais pas. Ok, en tout cas. Ok. Et où, avant tes Posca, toi? T'oublies pas un truc? Papier millimétré. Pas besoin de canson, ça. Mais non, il m'en faut pas du papier millimétré. Si, en mathématiques. Descends, tu verras. Non, regarde, copie double là, seulement. Sur la page. Feuille simple. Genre un SVT ou un truc du style. Non plus. Non plus. Pas. Il y a que Corentin, loupé. Papier calque, il n'y a pas besoin. Papier calque. Moi, il m'en fallait. Donc, toi, tu fais du papier calque et toi, le papier métrique. On utilise honnêtement une pochette. Ok, ok. Ça y est pour le Posca. Je prends un Posca blanc pour les pendulaires. On a pris blanc, mais avec tout ça là. Comme ça là, parce qu'on a pris un lot parce qu'il n'y avait pas les autres couleurs. Voilà. Tu m'as encore eu. Bravo. Il me faut maintenant. Donc là, il te faut quoi? Des cahiers. Des cahiers, allez, français. C'est parti pour les cahiers. Corentin, toi t'as fini, il te faut juste un classeur, c'est ça? Ouais, intercalaire. Mais il me faut les classeurs intercalaires. Et après, on va voir pour trousser sac, ok? Oui. Allez, et agenda. Oui. Parce que la musique et l'art classique, eh ben, j'ai déjà les cahiers. Ouais, c'est vrai. En fait, Corentin, il garde beaucoup de cahiers l'année dernière. Oui. Donc toi, let's go, toi aussi, Anne, ce sera pareil, toi aussi. Honnêtement, pour le peu que j'ai écrit en musique. Ouais. Alors là, il y a plein de classeurs, hein, regarde. Alors, mais toi, tu préfères en plastique, hein? Ça, c'est du cuir cartonné, tout ça. Ils sont là-bas, plastique, je crois. Alors là, il y a des trucs. Là, il y a les pochettes. Je crois qu'ici, il doit y avoir les intercalaires ou un truc comme ça. Ah, là, il y a des classeurs. Il y a des trucs. Un cahier grand carreau. J'ai pris comme ça parce que normalement, c'est rouge, sauf qu'il n'y a pas rouge. Du coup, tu prends rose. Mais c'est pas celle que tu veux. Elles sont où, les pastels? Elles sont là. C'est tout là. Voyons, pastel. Regardez, c'est trop beau. Oh! Regardez tous les pastels. Je crois qu'Océane va prendre tous tes cahiers, ses cahiers, et tu présenteras tout ça en vidéo, sinon ça risque d'être long. Hein. Ouais. Parce que regardez tout ce qu'il y a en couleurs. Elles sont trop belles, les couleurs. Franchement, regardez. Trop, trop belles. Bon, nous, on va prendre tous les cahiers qu'il nous faut, classeurs, etc. Et on se retrouve pour quoi? Pour ton sac, calculatrice, trousse, etc. Allez. À tout. Ça y est, t'as trouvé? Oui. Allez, classeur bleu, c'est pour quelle matière? Ça, c'est pour tout ce qui est physique, chimie et SVT. Ok, bah quand on dort, de toute manière, c'est simple, il garde les mêmes couleurs que l'année dernière. Hein. Mm-hmm. Comme ça, tu te trompes pas, et que l'année d'avant encore. Et en troisième, ce sera pareil? Oui. Oui. Bah, après, allez. Je prends les mêmes couleurs depuis la primaire, donc... Ouais. C'est vrai que mon calme était déjà rouge. Ouais, comme ça au moins ils seront pas. Au moins Corentin, il est toujours dans la simplicité. Il veut pas se prendre la tête. Pourquoi c'est ça compliqué la vie dans le renversant. C'est ça. Ça sort par contre, on se complique toujours la vie. Donc c'est bon, t'as tout, tes cahiers, classeurs, intercalaires, tout. Là, il manque la trousse. Ouais. L'agenda. Et le sac, tu gardes celui de l'année dernière qui était de l'année d'avant que tu as échangé en cours de route. Enfin bon, c'est un bazar. Corentin, l'année dernière, on m'a fait acheter un gros sac Eastpak avec plein de poches. Oui. Et au final, en fin d'année, il a pris son sac de l'année d'avant. Oui, donc, du coup, tu le gardes cette année. Coucou. Et le caddie, toi, tu as laissé où? Il est là. Ah, cool. Bon, allez, let's go to the sac. Et calculatrice. Et les trousses. Les trousses et les sacs, c'est au même endroit. Ouais. J'ai vu. Allez, le caddie, il est par là. Hein. Oui. Il allait ranger son truc. Bon bah ça y est, on aurait des trousses, des sacs, il se pack. Et Océane veut pas vous montrer son sac. Elle l'a choisi, mais tu veux le garder pour quoi? La surprise. La surprise pour la vidéo
qu'on vous fera quand elle va présenter toutes ses fournitures. Donc là, qu'est-ce que tu as La trousse, justement, elle est assortie au sac. Ah, petit indice, la trousse est assortie au sac. Alors, fais-nous voir ta trousse. Bon, j'ai cherché une simple sac. Normalement, celle l'année dernière et l'année d'avant avait des trousses comme ça, là. Attends. J'ai cherché une autre. Comme ça. Mais elle trouve que c'est... En fait, je vais vous montrer comment c'est dedans. Est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir la trousse? Personne n'est là. Tout le monde s'est bien allé. Ah, merci. Alors regardez, elle avait une trousse comme ça. Mais c'est pas assez grand. Mais apparemment c'est pas assez grand avec tous les crayons qu'elle a. Donc bah écoute, tiens, tu peux la fermer. Hop là. Et tu peux la ranger. Et on en prend une autre plus simple cette année du coup. Mais là tu la gardes pour, pour la maison. J'ai celle-ci aussi que j'aimerais avoir. Celle-ci? Elle est simple. C'est sympa. Ah, sympa. Pour mettre quoi dedans? Pour mettre les surlumières et les d'autres trucs. Ok, bon bah allez, prends-la. Allez. Et toi, t'as trouvé? Non, je ne sais pas laquelle prendre. Tu sais pas laquelle prendre? Il y a du gris, violet, du rouge. C'est violet ça. Du bordeaux, pardon. Tu veux que j'arrête de croquer là? Du vert kaki. Et ici, il y a un peu plus sympa. Avec. Là, c'est un peu plus coloré. Du noir. Du noir. Tu me désespères. T'aimes vraiment pas les fournitures. Oui. Ok. Et toi, c'est Anne, c'est bon, t'as trouvé ces trousses, ouais. Bon, t'en as pris deux. Et maintenant, on va au rayon des calculatrices, viens me suivre. Viens me suivre. Regarde. Ping, magie. Alors, qu'est-ce qu'il te faut comme calculatrice cette année? Tu as surprenu ça? Non? Je pense que c'est légèrement grand. Non, hein, un peu grand. Hein. Bon, ça, c'est un peu plus petit. Non? Toujours pas? Ça que j'ai plus ça? De touches dans ma calculatrice. Ça? Ça? Non. Là. Elles sont là. Oh, bah celle-là, au moins tu loupes pas. Ah non, il y a pire. Regardez, pour pas louper les touches. Ça, c'est pour papa, il y voit jamais rien. Regardez. Oh, ça, elle avait une comme ça l'année dernière, une toute petite. Elle était orange. Orange, ouais. Et là. Et toi, il me faut une quoi? Alors, collège, comme ça. Collège. Ah, elles sont, c'est ça, ça. Sont là. Ok. C'est... Alors, en plus, elles sont en promo pour la rentrée des glaces, regardez. Pour le collège et pour le lycée, c'est en promo. Donc il y a soit Texas Instruments, soit Casio. Tu veux quoi? Texas, parce que j'ai une amie à moi, elle avait pris Casio, j'ai rien compris. Ah, ça okay. Et puis en plus c'est bien, son frère, il a la même. T'as la même toi? Non, elle a une Casio et moi j'ai une Texas. Et c'est pas du tout pareil, même pour éteindre. Texas en primaire toi. Et même, non mais, elle m'a montré en appel et c'est hyper galère. Bah, et en plus, ton frère, il a la même, comme ça il pourra t'aider, il la connaît déjà. Ouais. En plus, elle a des trucs spéciaux. Il va falloir appuyer sur 2ND ou je sais pas quoi, fonction seconde pour mettre sur off et tout. Tu verras, on t'expliquera tout ça. Hein. Tu lui expliqueras. Mm-hmm. Allez, bah, le prof c'est de parti. Veut lui expliquer. Ouais, bah oui. Bon, allez, tu mets dans le calier qui est encore perdu. Hein. Le magasin, heureusement qu'il fait pas 10 km hein, parce que sinon. Bon, ben c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, ben on va aller à la caisse, on va voir si on trouve le 4 couleurs d'Océane, toi si tu vois une autre couleur. Et puis on va payer et on rentre à la maison. Oui. Merci Océane, vient de nous rappeler qu'on a oublié l'agenda. Oui. Prends le caddie, s'il te plaît. Et là, nous rayons des agendas. Donc il y a des trucs sympas, mais cette année, ils veulent quelque chose de simple, apparemment. Tu veux quelque chose de simple, c'est ça, t'as dit? Mm-hmm. Donc tu veux quoi comme agenda? Moi j'ai déjà trouvé, attention. Elle a déjà repéré, elle. Eh, promotion. Faut pas montrer exactement à quoi ressemble. Tu vois? Il est comme ça. Il est simple, il est noir, simple. Ouais. Oh, sympa la tranche. Il est à spirale parce que je préfère quand c'est à spirale parce qu'au moins, vous voyez, genre par exemple, je vais vous montrer un exemple. Et tu veux pas un truc de Denizy ou un truc comme ça? Non. Non, simple cette année. Ok, genre, et toi? Ça, c'est un carnet de dessin. Ah, ah mais c'est pas un agenda. C'est pour faire des dessins. Oui, c'est pour faire des dessins. Alors, tu veux prendre ça? Allez, non, bah prends-le. Je vais prendre aussi mon agenda. Bah oui, vaut mieux. Venez voir, je vais vous montrer un exemple. Vous a, imaginez, vous avez un agenda. Ça. Ok. Donc déjà, bon, par contre, là, j'adore les couleurs, c'est trop beau. Vous prenez et là, vous voulez écrire. Sauf que quand vous voulez, par exemple, faire une pause, il se referme automatiquement. Alors que lui, si je vais là, et voilà. Et ben, il reste à plat, nickel. Et voilà, oui, c'est pas bête, c'est pas bête. Et toi? Du coup? Il faut des écouteurs aussi, d'ailleurs. Monsieur. Monsieur qui a pas envie de faire les fournitures scolaires. C'est bon, il y a un calendrier. Un calendrier pourquoi? Je regarde les écouteurs. Tant pis les jours avant les vacances. Ok. Tu vas regarder ça. Très simple. Ah ouais, carton et enfin, tout comme il ça il là. C'est aussi là. Simple que celui de l'année dernière, sauf que celui de l'année dernière, il y a juste Pac-Man devant. Ouais, ok. Bon allez, prends ça. En plus c'est bien parce que par contre il va pas se rouvrir parce que c'est un petit truc pour fermer, c'est cool. Oui. Bon allez. On a fini là? Bel et bien. Allez, c'est parti. On va. Mais ça, on a trouvé encore des trucs. Il faut des écouteurs.
pour je ne sais quel. Ah oui, tu fais des écouteurs, mais il faut voir si ça va dans. Mais... Bah non, c'est une prise jack, Corentin, c'est pourquoi les écouteurs pour les ordi. Oui. Bon, bah prends cela. Hein. Attends, je vais quand même voir le prix quand même. Je crois que c'est le caddie, toi. Et nous, on va voir les écouteurs. Alors attends, fais voir. C'est 7 euros. 7 euros ? Ouais. C'est lui. Ici, il y en a deux. Oh, ça va, c'est pas cher. Il en reste deux, regarde. Ouais, nickel. Alors, il y a blanc, il y a noir. Je prends le blanc. Alors, attends, lui, il est. Et oula, ça me donne notre nom. Écouteur filaire. Écouteur filaire. Écoute, c'est son quasiment. Ouais, il est bien blanc. Allez, ah, t'as ceux-là aussi qui sont rangés dans le petit tube. Ouais, non, mais si tu prends ceux-là, prends ceux-là. J'ai déjà un étui qui va avec. Ok. Allez, et surtout ne les perds pas, tu les mettras dans ta trousse. Ouais. Hein, ouais. Allez, c'est parti, on va à la caisse, c'est bon, pour de bon, pour de bon, pour de bon. Pour de bon. C'est bon, on est rentré. Et ouais, on est à la maison, ça y est, on est rentré. Donc là, en fait, Corentin n'est pas avec nous parce que ses copains, ils l'ont appelé pour jouer un jeu. Donc voilà, donc on tourne la vidéo toutes les deux, la fin. Ouais. On n'a pas pu tourner devant parce qu'il faisait vraiment trop trop chaud, il y avait du soleil et tout, donc on s'est dit on le fera à la maison en mode chill, tranquille, hein. Bon voilà, donc on vous montrera le détail de toutes les fournitures d'Océane, dont son sac, dans une autre vidéo où tu vas tout montrer en détail. Ouais. Ça y est, t'es fatiguée ? Oui. Et on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce qu'après on a fait des courses et tout, voilà. Donc écoutez, on remercie encore... Et au bureau. Et ouais, de nous avoir permis de pouvoir filmer dans les magasins, parce que c'est pas tout le monde qui accepte, hein. Donc encore un grand merci à eux. Et puis bah écoutez, nous, on vous laisse... On vous fait des gros bisous. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit ciao ciao. Ciao les amis. Bonne nuit. Hein. Ouais, allez, bonne nuit. Ciao. Bonne nuit.